Salut à toutes et à tous, c'est Valentin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les iPhones. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le tweak SIDIA qui s'appelle Icon SB. Donc Icon Springboard, je suppose, parce qu'en fait, je vous explique. Donc en fait, ce tweak consiste à quoi? Donc en fait, vous voyez qu'en bas, là, juste en dessous de là où vous voyez le point vert, là, les deux icônes là et les deux icônes là, donc ces quatre petites icônes... Ce sont des raccourcis en fait, donc le premier ici en dessous du point vert, c'est pour éteindre votre iPhone. Le second, c'est pour respringer votre iPhone. Ensuite le troisième, là entre le message et Safari, c'est pour redémarrer complètement votre iPhone. Et le dernier, c'est pour mettre votre iPhone en safe mode. Donc je ne vais pas vous le faire, là, vous le montrer, parce que sinon ça va faire bugger mon enregistrement, enfin voilà. Je peux juste pas vous le faire, donc voilà, je vous le dis, donc vous inquiétez pas, ça marche, hein, c'est juste que là, je peux pas vous le montrer. Donc, cette application, comment on la trouve? Vous allez dans Cydia. Donc, il faudra évidemment que votre iPhone soit jailbreaké. Donc, vous vous rendez dans Cydia. Donc, ce tweak est gratuit. Il provient de la source de BigPost. Il provient de la source de BigPost. Donc il est gratuit. Alors vous allez dans rechercher et vous tapez Icon SB. Voilà, Icon SB, voilà. Donc c'est celui-là, vous faites installer et voilà. Ensuite vous vous rendez sur votre Springboard, donc vous n'aurez pas d'application, hein. Ce sera dans les réglages. Vous descendez tout en bas. Oups, voilà, vous descendez tout en bas, vous rentrez dans Icon, et voilà, donc Enable, donc pour l'activer et le désactiver, donc vous l'activerez et vous ferez un respring. Si jamais ça bug, donc comme moi au début, ça s'affichait pas, les icônes ne s'affichaient pas, donc vous les désinstallez de Cydia et vous les réinstallez et ça marchera. Donc voilà, c'était Valentin, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.